Sur YouTube. Petite astuce pour les donjons de fragments. Alors on va mettre ça de côté, même si c'est pas utile. Et toujours moins cher, bien sûr, moins fou. Et on va juste aller tuer le gros chocobo. Et en fait, notre but, c'est que pendant la phase où vous allez avoir le kill, il va y avoir les drops de fragments, on va spammer ce menu pour voir ici combien il y a de fragments. Et le but, c'est que si on voit que c'est en dessous de... Alors, je dirais 9, c'est la meilleure des choses. Hein, parce que, alors, on est avec 5 unités, 2 fragments. 10 serait l'opti pour dire que tout le monde a au moins 2 fragments. 9, c'est correct. En dessous, je dirais que ça commence à être moyen. Allez, on va dire que 8 étant la limite. Sinon, on n'accepte pas. Donc, grosso modo, ce que l'on va faire. Avec Kaito, on tue. D'accord. On va tuer avec quelqu'un, on ne sait pas. Hein. Hop. On va lancer la LB de Shizuru, par exemple, hein, pour juste aller le tuer. Et on va juste spammer le menu dès qu'il est grisé. Donc là, pour le moment, il n'est pas grisé. Et là, voilà. Je fais peut-être même un peu tôt. C'est après? Ah, c'est là. Là. Voilà. Donc, dès que vous avez vu les fragments, je l'ai fait beaucoup trop tôt, vous voyez qu'on peut voir combien on a de fragments. Et ici, on en a 8. Donc, 8 serait correct, mais on peut relancer. Et si vous relancez, donc imaginons que vous avez moins, imaginons que vous en avez 5. C'est-à-dire que tout le monde en a eu que 1. Et ben, en quittant et en repartant le donjon, et ben vous pouvez le relancer. 8, c'est déjà très correct. C'est juste que je voulais montrer que l'on peut le relancer. Tant pis pour moi, mais on va refaire. Vous inquiétez pas, j'ai pas perdu. Donc on le refait une deuxième fois et on retourne voir combien on en a. D'accord. Donc attendez que ce soit grisé avec les fragments. Donc on attend. Les fragments apparaissent. Oui, c'était 8, c'était déjà très bien. Le bouton devient grisé. Et là, vous spammez. Et là, j'ai eu 8, chat. Désolé, chat, hein. C'est la luck. C'est... Et donc, à partir d'ici, on va dire que 8, on va valider. Donc, à partir de 8, vous validez. En dessous, vous validez pas. Vous voulez qu'on le fasse une troisième fois, chat, pour être sûr? Et là, c'est écrit 11. Alors là, je me marre. Non, je pense qu'on va valider. Hein. On va valider sur 8. Et donc, soit validé. Soit vous refusez, vous quittez. C'est le meilleur moyen pour vous de maximiser le nombre de fragments tous les jours. Je vous conseille fortement de le faire parce que tous les jours, c'est au maximum 3 par unité. Donc là, vous voyez que j'ai quand même 2 de Olive, 2 de Wilk, 2 de Kaito, 1 et 1 pour Shizuru et Sylvie. Le maximum étant donc 5 x 3, 15, tout à fait le chat. Vous m'y a confirmé ton compte, je suis sûr. Très certainement. Mais en tout cas, voilà pour l'astuce du jour. Il est important de le faire. Vous voyez qu'il faut le relancer au bout de 5-10 minutes. Ça devrait aller. Hein. Partez sur 8, ce sera une bonne base. Et après, reset, 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 reset. Sachez que cette astuce fonctionne aussi sur la japonaise, que ça fait des mois que ça existe comme ça, parce que le donjon de fragments quotidien sur la japonaise, ça existe depuis des années. Hein, ça a toujours été présent. Et que nous, on l'a obtenu que maintenant. Donc sachez qu'à partir de maintenant, c'est maintenant que tout ça se joue et c'est totalement autorisé. Donc, faites-le. Profitez-en. Moi, je vous fais des bisous YouTube pour l'astuce. N'hésitez pas à commenter, à partager. C'est hyper important. Des bisous. Ciao, bye!